Coopération. Une délégation tchadienne dans nos murs. Une délégation tchadienne, conduite par le ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, est dans nos murs pour discuter de partenariats avec Madagascar sur différents thèmes comme la gestion des risques de catastrophe ou encore la promotion de l'agriculture. Qui est venu dans le cadre d'un partenariat avec l'État malgache. L'idée, c'est de travailler sur quelques thématiques qui sont des thématiques d'actualité pour notre pays, notamment la question de gestion des crises et des catastrophes. Comme vous le savez, le Tchad a eu la question des inondations l'année passée, qui a affecté beaucoup de populations tchadiennes. C'était nécessaire de regarder autour de nous des pays africains qui ont une bonne expérience en matière de gestion de risque, et Madagascar en fait justement partie. Je voudrais profiter peut-être de l'occasion de ce micro pour remercier les autorités malgaches pour l'accueil, mais également pour l'opportunité de ce partenariat qui nous est donné. L'équipe est également ici pour regarder d'autres thématiques. Nous voudrions voir dans quelle mesure on peut renforcer le partenariat autour de l'agriculture. Regarder également les questions liées aux fonciers, parce que nous avons également des défis de conflits entre agriculteurs et éleveurs au Tchad. Et toutes ces thématiques sont d'importance pour le Tchad. Et on espère qu'autour de ces thématiques, on créera un partenariat plus important aussi avec Madagascar.